Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi ça va pas trop mal, comme vous avez pu voir aujourd'hui, j'ai un petit box Pokémon avec 2-3 petites choses intéressantes dedans. À première vue, il y a un petit badge, il y a les cartes, donc on va ouvrir ceci. Mais avant qu'on commence ce petit déballage, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas, d'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, et puis n'oublie pas de partager, de liker, de mettre des petits pouces bleus et de commenter évidemment. Puis allez, c'est parti, suis-moi. Bon allez, c'est parti, on va déballer ce petit paquet, hein. Comme tu as pu voir, à première vue, il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses super intéressantes. Donc on va pas traîner et on va voir par où ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent déjà? Comme quoi on a 6 boosters, nous avons une carte de dresseur et nous avons aussi un pins d'intuition. Donc c'est déjà pas mal ce que nous avons là-dedans. Alors, on va essayer d'ouvrir sans tout casser, ce serait bien. Bah, je crois que c'est un peu mort, hein. On n'aura pas le choix. Alors, hop. J'essaie d'ouvrir sans tout casser, mais bon, je crois que là, on n'a pas le choix. Allez. Voilà. Alors. Hop. Alors, nous avons un petit fond sympa. Voilà. Hop, plus besoin. Nous avons une petite carte comme ceci. Donc, l'aventure vous attend dans Pokémon Go. Ok. Donc, nous avons apprendre en plus sur Pokémon Go sur le site officiel. Bon, voilà, ok. Nous avons chaque code imprimé sur cette carte déverrouillera une récompense dans Pokémon Go. Donc, ça, c'est sympa. Donc, avec des petits codes, ça, je vais y garder pour moi. Malheureusement, ça sera pas pour vous. Donc, après, nous avons ceci là-dedans. Alors, on va essayer d'ouvrir sans tout mettre par terre. Hop, 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 voilà. Et on va essayer d'ouvrir, d'enlever celle-ci aussi. On va dire qu'il y a, encore un deuxième. Ah ouais, ils ont encore un paquet à l'intérieur. Hop. Bah, vu qu'on a celle-là, voilà, nous avons le capitaine d'équipe Spark. Franchement, qui est super chouette. Voilà. Donc, hop, voilà. Ensuite, nous avons ce petit pins, voilà, vraiment, c'est vraiment le pins de base, qui est fort sympa, voilà, c'est Electra en plus dessus, il est vraiment chouette, voilà. Hop, et ensuite, nous avons 1, 2, alors 3 et 6 packs, plus évidemment la petite carte pour les échanges, voilà. Alors, est-ce que ce sont tous les mêmes? Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on va en prendre un. On va essayer d'ouvrir parce que c'est chaque fois le truc que j'arrive jamais. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dessus? Nous avons un petit Capumain. Nous avons Meltan, Carapuce, Colombo, voilà. Un petit Salamèche. Nous avons l'incubateur. Et oh, nous avons un Dracolos. Regardez-moi celle-ci, comme elle est chouette. Voilà. Ça, c'est vraiment une carte super cool. Après, bon, ceci, nous avons un petit Flagados, un Celeroc, le Pokémon est la même chose, donc voilà. Donc au moins, nous avons une super carte dedans, nous avons un joli petit Dracolos, c'est vraiment chouette. Hop. Ensuite, allez, on va pas traîner, hein. Hop. Donc dans celui-ci, nous avons
Pois Chijon. Ok. Nous avons un petit Onyx. Un petit Evoli. De nouveau un Salamèche. Un Capumain. En Rattata, en Ronflex, qui est fort sympa aussi, vous voyez, je ne sais pas si on voit, elle est légèrement en holo, elle est vraiment chouette. Nous avons une petite énergie, un Capérup, un Infect, le Capiteur, voilà. Donc à part le Ronflex, c'est des cartes sympas, mais sans plus, voilà. L'autre, là avec le Dracolos, c'était vraiment magnifique. Ensuite, on va pas s'arrêter sur... là-dessus, hein, quand même, faut pas abuser. Alors, hop. Nous avons de nouveau un petit Onyx. Voilà. Un Castorno. Nous avons un Ramolos. Un Conetor. Un petit Magikarp. Un petit Celeroc qui est sympa. Oh, oh, oh. Et nous avons le Léviator. Voilà. Elle est vraiment chouette. Celle-là, elle est cool. Après, nous avons de nouveau une petite énergie, un petit Levenard, un Stelix, ça c'est sympa, et un Xatu. Voilà. D'autres cartes fort sympathiques aussi. Ensuite, ce serait bien d'avoir une carte super rare. Parce que celle-ci, est-ce qu'elles le sont? Nous avons deux petites étoiles. Ah, là c'est un peu petit. Alors, hop, une petite étoile. Ouais. Non, celles-là, elles sont chouettes. Franchement, celles-ci, elles sont vraiment cool. Ensuite, alors. Hop. Nous avons, attention, un petit Pikachu, qui est fort sympa. Nous avons un petit Carapuce, en même temps, Kenetor, et nous avons un Magikarp, et nous avons Evoli, qui est sympa, mais nous avons surtout le Foria, voilà, à 200, qui est sympa, elle est vraiment chouette. Après, nous avons une énergie, nous avons un Herbizarre, en défaisant le Capitaine, voilà. Alors, il n'y a rien de transcendant pour l'instant dans ces cartes, je trouve. Voilà, c'est une petite ouverture sympathique, mais voilà. Ensuite, hop, allez, il nous reste ces deux petits paquets. Alors, hop, 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 hop. Donc ça, on va déjà l'enlever, parce qu'on sait qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Alors, nous avons un Migalos. Le module Leur. Nous avons un Reptincelle. Une petite énergie. Oh, oh, voyez-vous donc un joli petit Sulfura. Franchement, celle-là, elle est chouette. Nous avons un petit Salamèche aussi. Un petit Ambrilex, voilà, il n'y a rien de... Hein, mais ça reste Ambrilex, c'est cool. Celle-ci, nous l'avons déjà eu, le Colombo. Ensuite, nous avons le Ratatak, voilà, qui est sympa aussi, hein, pour Pokémon Go. Nous avons un Chamallow, et nous avons un Bulbizarre, voilà. Des petites cartes fort sympas. Alors, hop, hop. Et nous arrivons malheureusement au dernier petit paquet. Allez, on peut être fou. Après, je raccorde une petite surprise à vous montrer. Hop, alors, on ouvre celle-ci. Hop, hop, hop. Donc nous avons bah, de nouveau la même chose. Nous avons de nouveau un petit Ambrilex. Voilà. En Chamallow. Un petit Bulbizarre, un petit Onyx, nous voyons un Castorno, nous avons cette fois fort sympa un petit Stelix, voilà, elle est vraiment chouette, voilà. Il y a un peu de peine de, voilà, pour faire la netteté, je suis navré. Nous avons un petit Pikachu. Le petit énergie, le capitaine, un Herbizarre et un Kabuteur. Et voilà. Donc nous avons fini notre package de cartes. Voilà. Donc on en a quelques-unes qui sont fort sympathiques. Dont
le petit Stélix, là, vous pouvez voir. Nous avons aussi le petit Sulfura. Nous avons un petit Evoli qui est fort sympa. Un petit Leforia. Le petit Léviator. Le Ronflex. Et surtout, le Dracolos. Celle-ci, elle est vraiment stylée. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, allez, une petite surprise. J'ai pu avoir il y a quelques temps. Attention, tam tam tada, voilà. J'ai pu obtenir ceci, voilà. Une petite Pokéball, enfin une Hyperball, voilà. Donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans aussi. Je sais que nous avons des choses à collectionner. Donc on va l'ouvrir, on va voir si je trouve l'ouverture facile qui est là. Voilà. Hop. Est-ce qu'il faut appuyer pour l'ouvrir ? Voilà. Et effectivement, alors, qu'est-ce que nous avons beau là-dedans ? Alors, hop. Nous avons donc, petit autocollant, Bulbizarre, et nous avons un petit autocollant, Elector. Voilà, c'est cool. Et nous avons un, deux, trois, packs, et nous avons aussi évidemment de nouveau l'aventure vous continue avec quelques petits codes pour moi tronche. Bon bah vu qu'on est là, allez, on va s'ouvrir ces derniers petits paquets. Hop, alors ça on peut enlever. Nous avons de nouveau malheureusement un petit Onix, nous l'avons déjà eu avant, un Castorno, un Ramolos, un Kenetor, un Magikarp, un Elector, ça c'est chouette, ça franchement c'est cool. Nous avons de nouveau un Ronflex, une petite énergie, un Xatu, un Flagados et un Celerog, donc voilà. Donc là nous avons au moins deux cartes qui sont fort sympathiques. Ensuite, allez hop hop hop, l'avant-dernier petit paquet. Nous avons un petit Evoli, un Chamallow, un Rattata, un Colombo, un Ambrilex, un Colombo cette fois, mais il est stylé. Voilà, elle est toute métallisée, la carte, elle est chouette. Oh oh oh! Et nous avons un Mona Flémite. Voilà, elle est vraiment chouette. Celle-ci, elle est vraiment cool. Une petite énergie, le petit Stélix, un petit Xatu, le Flagados, voilà. Donc nous avons reçu au moins deux cartes fort sympas. Un petit Electek, je crois que c'est même le Mono Flémite, qui est franchement cool. Et nous arrivons au dernier petit paquet, voilà. Malheureusement, oui, c'est le dernier pour aujourd'hui. Hein. Hop, hop. Donc, c'est parti, nous avons un petit Capumain, un petit Meltan, de nouveau un petit Colombo, un Carapuce, un petit Salamèche, un petit Flagados qui est fort sympa, voilà, on peut voir, elle est vraiment chouette. Nouveau, un petit Sulfura, ça c'est chouette, énergie, ok stop, un déflaisant, c'est ça, voilà, elle est sympa, hein. Un petit module leurre et voilà la petite carte standard. Bon ben voilà, cette fois c'est fini, nous avons fini ce petit déballage de cartes Pokémon et cette petite ball Pokémon. En tout cas c'était fort sympathique de vous montrer ceci, j'espère que cela vous a plu. En tout cas portez-vous bien, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et puis à la prochaine, allez, ciao ciao. Et surtout portez-vous bien.